My search for Gustav Mahler started 50 years ago when I was a student at the Theater Institute in the Soviet Union. I was studying to be an actor and a stage director. I felt in love with Mahler's music. Flicked a switch somewhere in my brain. Mahler lasers through human defenses and goes straight to the soul. It seemed like I understood exactly what Mahler felt and wanted. La musique de Gustav Mahler s'est incrusté dans ma vie d'acteur, dans mon travail de metteur en scène et dans ma vie de tous les jours. Mahler a nourri mon imagination créative et sa musique était présente dans la majorité de mes spectacles de théâtre. As an actor and a director, I perceive music as a vastly powerful and seductive element in the theater. Introduced at the right moment, music can become a portal. It's like bringing another actor on stage. La musique, c'est comme un partenaire de scène. Partenaire de scène. Partenaire de scène peut nous libérer ou nous rendre captifs. Oui, ça peut être bien d'être captif de la musique quand même. Ce soir, nous allons voyager à travers la vie de Gustav Mahler et nous allons nous intéresser à la vision qu'il avait de la musique de Beethoven et de Schubert. Mahler was a huge composer, but tonight we will focus on his career as a conductor and on his interpretation of Schubert and Beethoven's music. Grégory et moi allons devenir les voix de Gustav et d'Alma Mahler, son épouse. And it's through Alma's eyes that you will discover Mahler like nobody. When Beethoven settled in Vienna in 1792, his style made an overwhelming impression. When conducting, his wild gestures would scare the musicians, and they would prefer following the first violins instead. Beethoven was hearing the music with his inner ear. Until today, nobody can explain how he succeeded at composing and conducting while being deaf. Beethoven perd graduellement le contact intime avec la réalité, avec le monde des sons physiques. Et quand Gustav Mahler dirige une œuvre de Beethoven, c'est comme s'il dirigeait une de ses propres œuvres. Je m'adresse à vous, les musiciens. Beethoven est la plus haute réussite à laquelle un être humain puisse aspirer. Aujourd'hui, je suis d'humeur à combattre. Vous allez voir, tous les Philistins vont se lever comme un seul homme quand ils entendront cette exécution du quatuor Serioso. Famineur, opus 95. Dans les premières mesures, on doit se mettre à gronder comme un vent de tempête pour exprimer la rage que Beethoven a voulu insuffler dans cette ombre. Allegro con brio, cher musicien. Thank you.
1901 à Vienne, dans un endroit très exclusif où je vais souvent et où se réunissent l'élite artistique et scientifique. Un lieu magique où les idées bouillonnent, le salon de Bertha Zuckerkandel. On peut y faire des rencontres exceptionnelles comme entre autres le peintre Gustav Klimt, mon premier grand amour, le physicien Albert Einstein et le docteur Sigmund Freud qui excellait dans l'interprétation des rêves mais qui n'avait pas grand-chose à dire sur une pièce de musique. In November 1901, Madame Zuckerkandel, one of Vienna's most famous hostess, invites Gustav Mahler to the salon as an honored guest following the concert he gives that day at the Vienna Opera. Grâce à Madame Zuckerkandel, je fais la connaissance de la plus belle fille de Vienne, Alma Schindler. And I meet Gustav, a man rather asociable, a fervent vegetarian who didn't care for company and only ate Murano apples and whole wheat bread.
Mahler had little to do with Vienna's vibrant social life. After a long hesitation, he accepts the invitation and does not regret it because he meets the love of his life, me. D'une intelligence captivante et exigeante. Elle vient d'un milieu très cultivé. Son esprit est étendu, parfois piquant et profond. Et on me dit qu'elle compose. Un maître, un homme célèbre, adulé de tous. On dit de lui qu'il est le plus grand chef d'orchestre de tous les temps. Mais il fait peur à beaucoup de gens. Il a souvent des expressions qu'on pourrait qualifier de démoniaques. An infantile illness had caused her to lose hearing in one ear. This small infirmity became an additional source of seduction for me. She listened to me with such sustained attention that I felt like being alone in the world with her. She is 20 years old. And he's 41 years old. Beethoven was 41 years old when he composed the F minor quartet, Opus 95. At that age, he had surpassed Haydn and Mozart as the most acclaimed composer of instrumental music in Europe. C'est à cette époque que l'audition de Beethoven a commencé à se détériorer. Certains disent qu'il aurait été atteint de typhus, d'autres qu'il s'agissait d'une conséquence de la syphilis. Mais Beethoven a continué à jouer du piano et a insisté pour diriger sa musique. Le quatuor serioso est souvent considéré comme annonciateur des derniers quatuors de Beethoven. Il a été écrit pendant une période particulièrement trouble pour lui, celle de la prise de Vienne par Napoléon, du décès de deux de ses mécènes, et surtout de l'échec du projet de mariage avec Teresa Malfatti. Beethoven's relationship to women remains somewhat of a mystery. Some people say that he hated women, while he often said that he wanted to get married, but that he was always attracted to women who wouldn't marry him. An involuntary celibate, if you'd like. What didn't help, I guess, was that he would deflect everything in his life that might distract him from his art. In his view, only art and science could raise him to the levels of the gods. I developed a special technique of conducting Beethoven's music. He would shoot his baton forward like the tongue of a serpent, et soudainement, de la main droite, il semblait sortir la musique de l'orchestre. Chers musiciens, je ne suis pas là pour vous forcer, mais pour vous guider. Ma baguette est inutile. Elle disperse l'esprit de Beethoven. Sans même la regarder, je veux que vous deviniez ma volonté. I compose too, you know. I would like to do something really remarkable, something no woman has ever done before. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre l'essence de la musique. Je veux devenir une grande compositrice. I can't explain it. I would like to do something. Creating music, it is a mystical process, you know. From the beginning to end, I often feel like a blind hand who finds a grain of corn. L'expression musicale me permet d'entrer dans un monde où il n'y a pas de séparation entre le temps et l'espace. Mais je n'arrive pas à bien l'expliquer à mots. Mahler n'a qu'une seule raison d'être, la musique. Chaque particule de son être vibre avec et pour elle, pour rien d'autre. Alma est sensible au talent, comme certaines femmes le son à l'argent.
Elle est une déesse qui fait de chaque amant un dieu. Les fiançailles officielles ont lieu le 23 décembre 1900. Allegretto ma non troppo, et on enchaîne. Allegro assai vivace ma serioso, chère musicienne. Thank you.
Thank you.
Le mariage, c'est comme les partitions. Ça semble facile jusqu'au moment de mettre le nez dedans. Avant que notre mariage soit prononcé, je sens le besoin pressant d'écrire à Alma. Ma très chère Alma, je m'attends à ce que tu me devines, que tu devines ce que j'attends de toi. I'm not nearly as perfect as you are. My body keeps failing me. Before I met you, I was almost dead. You must help me. Be there for me. I can't tie myself materially anywhere. I can lose my position at the opera from day to day. Being together, we can transcend this mediocre existence. Together, we can be eternal. I love you so much. But to achieve this, my love, you must stop composing. Mahler fait tout ce qu'il peut pour me soustraire la musique du cœur. Je dois n'adorer que la sienne. Si tu arrêtes de composer, tu pourras en retour n'espérer rien d'autre que mon amour. Et si tu te le désires, j'arrêterai de composer également. Je ne peux rien te demander que je ne puisse moi-même te donner. J'ai l'impression que tu pourrais me ramener à la vie, même si j'étais mort. Et c'est signé, Gustave. Après son interminable lettre, dans laquelle il m'empêche de composer, je pleure toute la nuit. I go to my mother in a flood of tears. She's so horrified by his demand that she, who loves Mahler so dearly, tells me to break off my connection with him. But that seems impossible to me. In my eyes, he is the one and only. Il est tout pour moi. Je décide de répondre à sa lettre en lui promettant ce qu'il voulait entendre. Je sais à ce moment que je veux porter son enfant. On se marie en toute discrétion le 9 mars 1902. L'église est presque déserte. Il pleut. Alma est enceinte. Et je suis persuadé que tout le monde s'en rend compte. Gustave arrives at the church with his rubber boots. He trips many times in the alley. The priest tries hard not to burst out laughing. Je suis l'époux grotesque et emporté. Alma, la promise, elle est magnifique. Elle nourrit ma force créative et représente pour moi l'éternel féminin. Our honeymoon takes place in St. Petersburg. The palaces, the large avenues, the Kazan Church, l'Ermitage, les toiles de Rembrandt, les tramways qui circulent sur les glaces de la Neva. Gustave y donne 3 concerts, très bien accueillis. La critique est particulièrement élogieuse pour son exécution de Beethoven. Gustave has an endless admiration for Beethoven. He is jealous of him, actually. When he was young, he considered him a god, and now he wants to surpass him. J'avais 15 ans lorsque j'ai mis le pied pour la première fois à Vienne.
Je ne me suis jamais remis du choc. Quelle autre ville dans le monde aime autant la musique que Vienne? Je suis arrivé à l'opéra de Vienne à cause de ma fureur, qui est, à mon sens, l'attitude indispensable pour un véritable chef d'orchestre. Women take their place in Vienna, as they did in Paris and other times. Women experience more freedom in an explosive way. We can even see some of them smoking. Ce n'est pas le prestige qui me donne le plus de satisfaction, mais le fait d'appartenir enfin à une patrie. En 1897, une femme est admise pour la première fois à la faculté de médecine de Vienne et milite pour que de nouveaux droits soient accordés aux femmes. No one before myself treated the conductor as an extension of the composer's will. J'ai libéré le chef d'orchestre du joug de compositeur. Mahler demande à tous les musiciens viennois de devenir des chefs d'orchestre. It seems to me that this approach is a portal to a new way of interpreting music, as radical in its potential as Einstein's theory of flexible time. Beethoven and Brahms wrote metronome speeds in their scores, which I called tick-tock device. I find them practically worthless. I leave the measurement of time to the maestro. It's all a matter of feeling. Alongside the opera, he takes another job with the Vienna Philharmonic players. At the first rehearsal, the players discover that Beethoven's scoring has been thickened in parts for added emphasis. Mahler est d'une exigence hors norme. On dit de lui qu'il est le dictateur musical de Vienne. Ses colères sont célèbres et quand elles éclatent, ses yeux lancent des flammes derrière ses lunettes épaisses. Il est effrayant. My job absorbs me completely and seizes my body and soul. I'm swamped as only a theater director can be. All my senses and emotions turned outward. I'm becoming more and more a stranger to myself. I'm banging my head against the wall. But instead of my head, it's actually the wall that's being broken. Vienne n'est pas simplement une ville, c'est un monde en soi. Il y a des gens toujours vivants qui se souviennent de Schubert et Beethoven, lorsqu'ils étaient toujours parmi nous. J'entends constamment la voix de ces géants disparus. Une compagnie enrichissante qui donne un sens à ma vie. Mahler dirige la 9e symphonie de Beethoven dont il a retouché l'instrumentation. C'est la plus belle exécution que j'ai entendue de toute ma vie. Mais il est haï par la plupart des musiciens d'orchestre. Some members of the opera want him gone. They say that he transforms Beethoven, that he's not being true to his instrumentation. Nevertheless, it's impossible to find an empty seat at any of Mahler's concerts. The last movement of the Quatuor Serioso begins with really slow music, and its darkness seems boundless. All of a sudden, the coda reveals itself as one of Beethoven's most startling moments. For the first time, he turns to F major. And the music becomes almost frivolous. The contrast is so great and the change so sudden and incomprehensible that one cannot help but feel that there is a sort of bitterness and sarcasm in this ending. As though Beethoven was telling us that life is a bit of a joke. Ce soir, le rideau se lève sur la musique, sur ce qui peut encore être sauvé de Rome. Elle seule est capable de reproduire le ciel de notre âme. Beethoven nous transporte jusqu'au fond du puits de l'infini.
là où la lumière s'endort jamais, là où notre âme touche enfin au sublime.
Notre vie quotidienne est réglée comme une pendule. Il se lève à 7 heures, s'installe à sa table de travail où il prend son petit déjeuner et part pour l'opéra à 8h45. Every time I conduct a piece, it never sounds the same. The real music is beyond the notes. It's in the conductor's heart. Every day, around 1 p.m., he comes home for lunch, and he walks around the apartment, shutting every door behind him. He washes his hands and comes to the dining room, where I await him. Pour bien manier la baguette de chef d'orchestre, il faut la saisir d'une main si parfaitement calme qu'elle pourrait dessiner de grands cercles parfaits, comme avec une cuillère pleine de soupe à ras-bord, sans jamais en répandre la moindre goutte. Même enceinte de notre premier enfant, je dois le suivre pour faire la promenade à pied quotidienne. I'm at the opera every night, a victim of this strange disease called music. And every night after the concert, I pick him up at the opera. We have dinner, and he asks me to read him a book out loud. For a while, I love our rituals, but pregnant with my first child and completely exhausted, his habits feel like a curse. L'accouchement d'Alma s'est avéré interminable. Notre fille naît au milieu de terribles souffrances. Pour l'enfant, comme pour la mère. Giving birth was excruciating. But our little girl is finally here. She was breech-born. Really her father's daughter. Showing to the world the only part of the human body that it deserves. Immédiatement, il a ressenti une passion pour elle qui semble beaucoup plus grande que pour moi. En souvenir de ma mère, on appelle la petite Maria, dite Puzzi. Après l'accouchement, Alma a commencé à souffrir de douleurs nerveuses. Elle n'était plus tout à fait la même. Days before my birthday, Gustave took me to his hut and played the Fifth Symphony. I was overwhelmed. He was able to mix Eros and Thanatos, love and death, beautifully. Yet, he felt so far away from me. Une autre enfant est conçue le temps suivant. Our second baby girl was born on June 15, 1904, and completed the mother's family. We named her Anna, or as we like to call her, Gookie. À 5 ans, notre première fille, Pouty, tombe gravement malade. Le médecin lui diagnostique une scarlatine avec complications. Puzzi is extremely sick and too infectious to be admitted at the hospital. The doctor performs a tracheotomy to alleviate her pain. She will remain alive for 24 hours only. Pour ma mère, la mort de Puzzi est une pure tragédie. C'est elle qui lui ressemblait le plus et avec laquelle il partageait la plus grande complicité. Quand elle vivait, je m'appliquais à prendre l'empreinte de son visage avec ma main. J'apprenais à sonder son âme à travers chaque mouvement, un frémissement de lèvres, un plissement du front. Before the fatal illness, her father's voice would cure her from everything. It's all as if our two hearts were beating inside me at once. Gustav's weeping and sobbing went on again and again in the hallway behind my bedroom door. It was more than he could bear. Puzzi, ma petite est morte. Je veux qu'on m'enterre dans sa tombe. Sans elle, tout ce que j'attends de la vie
n'arrivera plus. Schubert's quartet in D minor, Death and the Maiden, is the most famous piece of chamber music for strings. Le titre de ce quatuor provient d'un lied du même nom qui raconte la rencontre entre une jeune fille et la mort. La mort cherche à entraîner la jeune fille vers elle tout en la rassurant. Musicians, remember that Schubert considered pain as a member of the family, as a sister.
The doctor puts a stethoscope to Mahler's chest and says, "Your heart is nothing to be proud of. You're suffering from a severe cardiac insufficiency." Selon les dires du médecin, Mahler pourrait mourir à tout moment. Il le restreint donc à de courtes marches et à des efforts réduits. Pour Gustave, c'est comme s'il devenait invalide. I have nothing else to give to the Vienna Opera, so I quit. I want to have a full independence. I sign a contract with the Metropolitan Opera in New York. Au revoir, Vienna. Je m'en vais au Met. Je préfère pourrir à New York que de ramper à Vienne. We arrive in New York before noon on December 21st, 1907. It's exhilarating. I'm registered by an official as Mochler, a bandmaster. Il est absorbé par son travail au Metropolitan, et de nouveau, je suis seul, et je ne connais pas un mot d'anglais. As soon as I arrive at the Met, I have to deny the rumors of my irascibility. So I am the most amiable man in the world. But I expect my people to do their job, and quickly. What could I do all day long? Mahler is not afraid of any physical effort. We eat all our meals in bed. I really enjoy New York. L'Amérique est tellement différente de l'Europe. Chacun a devant un monde de possibilités.
avec personne au-dessus pour vous barrer la route. I miss Vienna so much. I sit outside on the balcony of our 11th floor apartment at the Hotel Majestic simply to catch some sound of human life below. J'ai terriblement le mal du pays. Alors j'écoute beaucoup de musique viennoise. Beethoven, Mahler, Schubert. Les trois ont vécu et créé à Vienne. Les trois sont aussi reconnus pour leurs 9 symphonies. Un lien très puissant, très profond, presque spirituel les réunit. Je n'ai jamais eu d'ambition comme chef d'orchestre. Autre que celle de m'effacer derrière l'œuvre. L'art authentique exclut tout artifice. Schubert had a great admiration for Beethoven, but his timidity stopped him from meeting with him. Schubert barely even left Vienna at all. Listening profusely to them, I realized that there seems to be strong similarities in the expression of Schubert and Mahler. Well, I'm not so sure about that. Schubert est un grand mélodiste qui se répète d'une œuvre à l'autre. Il était très et même trop prolifique, selon. I have read all of Schubert's chamber music. Out of 12 pieces, I think that only 4 are good. And of 800 liters, maybe 80 are perfectly beautiful. Which, in a way, is enough, I guess. I think so. Et les deux compositeurs étaient inspirés par la voix humaine. And they both found consolation and escape from the pressures of life in nature.
back in Vienna. Suite à notre retour en Europe, Gustav crée une certaine révolution dans le milieu musical viennois. Il introduit une nouvelle sorte d'exécution d'œuvres orchestrales. A string quartet isn't sufficient, according to Mahler. He adds instruments to Schubert's score. Le chef d'orchestre dirige les musiciens à la baguette. Mais qui dirige le chef d'orchestre? La partition. Et qui dirige la partition? Le compositeur. Et qui dirige? Le compositeur. Mahler donnait tout à la musique et il ne lui restait plus rien pour moi. Mon amour infini perdait petit à petit de sa force. Puisque le médecin lui a demandé de réduire ses efforts, Mahler ne voulait plus m'approcher. Il refusait que nous partagions une intimité. Gustav neglects me physically and emotionally, and soon he will experience what he considers to be the supreme humiliation. He becomes impotent. Our life turns to hell. Ah, il m'attient absolument à ce que je consulte Dr. Freud. Cela m'oblige à aller jusqu'en Hollande dans l'espoir d'y trouver une bonne raison de continuer à vivre. Mahler's problem is that he, as Dr. Freud says, withdrew his libido. He stopped having sex with me for fear the exercise might kill him. And Freud has assured me that Alma would never leave if she had the freedom to fulfill her creative needs and sleep with whomever she pleases. Je suis convaincu par les théories de Freud, même si j'en souffre, et que j'ai terriblement mal. Je laisse Alma libre, car je ne peux me permettre de la perdre. Pour sauver notre mariage et sa santé mentale, Freud demande à Mahler d'arrêter de composer. Ah. Then Freud wants me to stop composing. But I cannot agree. If I give up composing, life is not worth living. But he agrees to give up conducting. Mahler asks Joseph Hoffmann to build a house outside Vienna where he and I can retire in peace. Freud. Dr. Freud. Me faire traverser l'Europe pour m'apprendre que j'aimais trop ma mère et que je recherche depuis toujours une femme. Comme elle. Freud avait probablement raison. Et moi aussi, j'imagine que j'avais toujours recherché un homme comme mon père, de petite taille et d'un esprit supérieur. I want to figure out a way to achieve making love to Alma. But during the unique walk I had with Freud, she was already writing to her young lover, Walter Gropius, saying that she couldn't wait to see him. There is not one spot on your body that I would not like to caress with my tongue, she wrote. And she signed Dein Weib, your wife. Alma et son amant Gropius arrange un rendez-vous à Munich pendant que je compose ma 8e symphonie. Thank you.
Dans son désir passionné d'atteindre l'idéal, Gustave néglige de vivre comme les autres hommes. Il s'interdit de jouir du présent, de sa femme, de ses amis ou de tout autre plaisir. As he dives into his work, life passes him by. Others neglect the theater and take care of themselves. I take care of the theater instead of myself. Si vous saviez à présent, et jusqu'à mon dernier souffle, à quel point le quotidien m'indiffère. Ma vie est un papillon mort. Gustave éprouve une crainte superstitieuse en ce qui concerne le chiffre 9. La fameuse malédiction de la 9e symphonie. Il savait que ni Schubert, ni Beethoven, ni Bruckner n'avaient pu écrire leur 10e symphonie. Et dans le but de contourner le mauvais sort, il dit que le chant de la terre, qu'il a déjà écrit, est en fait sa 9e symphonie. Actually, what I am composing right now is the 10th. Because Das Lied von der Erde was really the 9th. Beethoven and Schubert died before reaching the number 9. This number scares me. Gustave had tried to outwit God, and God had accepted the joke until the joke was on Mahler. Gustave s'imagine maître de son destin, mais il n'a réussi à berner personne. Il compose sa 10e symphonie achevée qui, dans les faits, est sa 9e. Mais la malédiction frappe et il meurt en composant sa 10e symphonie qui demeure inachevée. Cette vie qui m'a toujours donné l'impression de m'échapper. Cette vie ballottée entre Vienne et New York, comme une barque prise dans l'ouragan et que je ne maîtrise plus. Mahler n'a plus que 3 mois à vivre, mais personne ne le soupçonne sauf le docteur Frankel. Gustav is very sick, but he is certain that he will heal. Je ne réclame aucune compassion. Si je revenais sur terre après ma mort, qui sait si ce ne sont pas justement les moments les plus douloureux de ma vie que je choisirais de revivre. Mahler, our worlds never really met. You deliberately stifled my gifts because you thought yours were superior and I've never been sure that they were. I've resented that all my life. Même si je t'en ai voulu, je sais que tu m'as aimé. Peut-être que tu avais peur de moi, en fait. J'étais tout ce que tu aimes et tout ce que tu détestes. The bad in me loved the bad in you and still does. Si j'avais pu changer quelque chose, Alma, et prévoir tes désirs les plus secrets, mais à quoi bon rouvrir les plaies anciennes? La vie et la mort boivent notre sang dans le même verre. Then start those horrible weeks where we see all of the greatest specialists. Pendant 12 jours, je suis infirmière, mère, maîtresse de maison, tout ça à la fois. Mais plus que tout, je suis submergée par la douleur et le chagrin. J'appelle ma mère au secours. D'où venons-nous? Où allons-nous? À quoi sert toute cette peine et toutes ces souffrances? Malgré tout, j'ai souvent été heureuse avec lui. Nous avons longtemps plané au-dessus de la cour viennoise
Il jouait du piano, il composait, il dirigeait. J'étais émue jusqu'aux larmes. Mahler was my choice. It was my choice to be next to this great man that this petty bourgeois, narrow-minded Vienna was unable to understand. Ma mort sera la première étape de mon voyage. Je veux être porté en terre dans la simplicité la plus totale. Mon enterrement un entracte d'une vie à l'autre. My health being fragile, the doctors advise me to not attend my husband's funeral. I obey. Gustave a demandé qu'on lui perce le cœur. Ce sera fait. Il voulait un enterrement sans discours ni musique, mais Vienne lui offre des funérailles somptueuses. Des montagnes de fleurs entourent la tombe. Naked as I came here, naked I will return. Stone, a simple stall, very simple. It must not include any inscription except Gustav Mahler. C'est tout ce qui doit rester de moi. Life flows on and art changes, different every day. If art would be understandable, it would not exist. Si l'amour était compréhensible, il ne serait pas.
Mm-hmm.